Hop là. Les gars, est-ce que je suis pas un peu con? J'ai mis un fond vert alors que j'ai un décor derrière moi. Dégage. Et yo tout le monde, c'est Shane. J'espère que vous allez bien aujourd'hui les gars. Aujourd'hui, on va réagir aux pires erreurs de design. Pas comme en studio, tu vois. Il est beau, hein. C'est le meilleur, hein. Je me la pète. Lâchez un pouce bleu, hein. En mode un panneau solaire qui est mis sous un pont. Ça existe, ouais. Des toilettes, couleur diarrhée. Ça existe aussi. Ou encore cet immeuble qui a été construit sur une dune de sable. C'est fini. Je crois que c'est la première fois que je fais une vidéo réaction dans mon studio. Alors on a quelques petits réglages encore à faire à propos de la lumière, à propos du son du micro. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous m'entendez bien. Et puis c'est parti, je vous souhaite un très bon visionnage. Oh, bonne ambiance la pharmacie mec. Mec, on dirait vraiment qu'ils sont en train de se pendre. Ça, c'est l'exemple typique d'une erreur de design. Tu voulais faire le logo pour ta pharmacie, déjà il est rouge. En France, ils sont verts. Mais là, le gosse au milieu, je suis désolé, il est en train de se pendre. Waouh, mec, alors le 4x4 rouge, ça vient des US. Le garage, c'est la moitié de la devanture de la maison qui se soulève. Je suis un peu mitigé, j'aime bien en vrai l'idée. Ah, non. Tapez 999 pour appeler la police ou une ambulance. T'as le chiffre 1, 2 et 3. Peut-être que tu dois faire 3 x 3 égale 9. Non, oubliez. La femme n'aime. À 10 mètres, on te masse, tu deviens un M. Et voilà quoi. Je crois qu'en fait, ils ont oublié la délimitation en rose au-dessus entre les deux images. Mais en plus de ça, c'est qu'il y a un effet fondu. Du coup, ça rend trop bien. Oh, le pont de merde. Alors ça, c'est les toits qui servent à rien, tu vois. C'est un toit, mais il y a des trous. Du coup, s'il pleut, ben ça fait rivière dans le pont. Tu veux traverser, bon courage. Au revoir tes baskets. Bizarre le dentiste. Comment ça? Non, c'est pas possible. C'est que... Je comprends. Il voulait faire croire que c'était une molaire. Mais du coup, pour ça, il devait faire croire que il se passe... Ah non, je peux pas dire, mais regarde le logo d'Annie comme c'est horrible. Pensez à quoi ce logo? Comment tu peux dire ça part en production? Je vais enlever ça de ma tête. Oublie. Je m'excuse les refs. Waouh. Deux, trois choses qui vont pas. Je pense qu'ils avaient pas les droits. Je comprends pas pourquoi elle a une glace. Elle me fait plus penser à un nuage ou une petite baleine. Enfin, c'est bizarre que genre on s'assoit dans son corps. En mode quoi, le frein à main, c'est quoi? C'est une de ses côtes? Bah, vous, c'est un peu gore. Moi, dans les manèges que je prenais, c'était toujours l'avion qui montait et qui descendait. Comme ça, hop, tu prenais la peluche et il y a tout gratuit. Oh, ça donne pas confiance, mais pas du tout. Waouh. Alors, on dirait qu'ils l'ont construit à l'envers. Attends, t'imagines le mec, il a pris le plan, il l'a construit à l'envers. Non. Oh. Mais mec, comment c'est possible? Il y a une télé dans la douche. Un énorme écran. Sauf que il a des jets sur les murs. Ça va directement dans la téloche. Là, on atteint un niveau, mon gars. Tu es ce que tu manges. Alors, c'est une caricature. Du cannibalisme de hot dog. Ça fait flipper. Mais c'est vrai. Tu es ce que tu manges. Tu manges des frites. Tu es une frite. Comme Seb la frite. C'est gratuit. Je m'excuse. Panneau solaire au top. Ouais, attends, c'est un vrai panneau solaire, ça? Je sais ce qui s'est passé. Ils vont devoir l'enlever, malheureusement, mais je pense qu'en fait, ça, c'est une route, mais elle vient d'être construite. Et avant, il y avait un panneau solaire. Du coup, là, il ne sert plus à rien, malheureusement. I couldn't do is exactly what I did. Il n'y a pas d'en bas. Ils ont fait une maison en hauteur. Deux solutions. Peut-être que des fois, il y a des montées des eaux. Mais pour que l'eau monte de tout ça, faut le faire. Ou ils ont peur des araignées. Je vois que ça. Ok. Il va montrer le dressing le plus petit du monde. Il est dans sa cuisine. Tout va bien. Ils sont énormes, les réfrigérateurs. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? This thing is what? So skinny and small. Ils avaient la place. Go utiliser cette partie du mur. J'aime bien quand tout est utilisé. C'est pour ça qu'on a fait des trous dans le décor. Tu vois, des trous ici, des trous là et tout. Ça, c'est une armoire, mec. Tu vois ici. On peut mettre aussi des rangements à l'intérieur. Là où je mets même des trucs. Bref. Is this on here for a reason? Did he put this on here, the homeowner? Very interesting. Non. Is that why that's on here too? So they don't get dirty? Non. Hi, come on in. Hi, Todd. Quoi? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il a un syndrome. Il est malade. Il est malade. Mais mec, il a tellement peur qu'il y ait la poussière. Il a tout recouvert de plastique, mec. T'es abusé. Mais pourquoi tu veux faire ça? Tellement de temps, putain, mec. Ta vie, elle pue la merde, mec. Ah, je suis sincère. Même elle est perdue, frère. Elle est là juste parce qu'il y a une caméra. Ça peut être un troll, c'est vrai. Première dédicace que je fais dans ce studio à ces deux abonnés. Vous êtes les deux dernières personnes à être abonnés à ma chaîne. Merci à vous. Bienvenue dans la team. Si toi aussi tu vas avoir ta dédicace, bam ici. Dans la prochaine vidéo, abonne-toi en activant la cloche. Sensation forte pour mamie. Voilà, j'apprécie le geste parce que je pense que c'était pas prévu pour en mettre, mais ils ont été obligés d'en mettre. Du coup, c'était la seule solution qu'ils ont trouvée. Mais le problème, c'est que là, monter ça tout seul, tu peux pas. Mais tu t'amuses en descente. Plutôt pas mal. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Alors là aussi, c'est voilà pour mettre les deux roues en fait du fauteuil roulant et monter au-dessus. J'avoue que c'est punaise. Ah, je n'ai jamais vu des aussi extrêmes. Une maison des Sims dans la vraie vie. Ah ouais?
Non, c'est une maison, ça. On dirait une pyramide, mec. T'as le rez-de-chaussée avec des fenêtres qui se ressemblent de ouf. Et ensuite, t'as plus aucune fenêtre pour le premier et le deuxième étage. T'as même pas genre des Velux. L'intérieur doit être très Ikea. Ouais, je pense. Trouve la douche. La douche. Alors ça, de sûr, c'est un appartement parisien. T'as lavabo, le lavabo des pieds. Qui c'est qui utilise les lavabos des pieds? Je veux une réponse. Toilette. Et ah, la douche juste ici. Voilà, au moins, ça nettoie tes toilettes quand tu prends ta douche. Voilà, c'est sympa. C'est pas plat quand tu laves les mains. L'espace est très bien géré par contre. C'est un peu glauque. What? Non, mais qui c'était? Non. Mais le nombre qu'il y a, c'est pas possible. C'est pas possible. Oh, mais c'est pas possible. Mais j'ai aucune lumière au-dessus, moi, les gars. J'ai une lumière ici, une lumière là. Regardez le toit de cette maison. Bon, elle est immense, la maison, hein. Mais comptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, ils ont pas fait que pour les lumières. Pour les ventilations aussi, regardez. 1, 2, 3 ventilations. Tu fais un trou, ça suffit. Dans la place, il y a 5 trous de ventilation. 6. Plus de lumière encore ici. Alors, c'est pas des erreurs, ça, je pense. Mais c'est juste un kiff qui sert à rien. Mais... des shots en marbre, mais t'as vraiment l'impression que quelqu'un a eu la diarrhée. Pureconcept.com. C'est pur, après peut-être c'est de la vraie merde. Non, je pense pas. When we bought this house, we said, oh, nice floor. Oh, we nice. We counters, and we said, oh, nice floor. And then we looked at the walls, and we said, oh, nice. Non, mec. Le bois du sol, c'est le même que le bois de la table, que le bois du mur. House, we said, oh, nice floor. Pas mal, and le sol. Counters, and we said, oh, nice floor. Ah, ils ont continué en fait le sol aussi ici, ouais. Floor. Never looked at the walls. J'avoue, c'est... Alors, je sais pas, faudrait voir un grand plan, là. Peut-être ça fait stylé, mais je suis pas sûr. Sur tous ces carreaux-là, ça fait très... glauque, encore une fois. Erreur de design dans un magazine. Je suis sûr, ils ont fait exprès. Non, mais de sûr, il a fait un petit... Non, mais c'est fait exprès, c'est fait exprès. Des fois, on s'amuse. Ça fait plaisir. Oh, non, c'est tombé. Comment tu vas pouvoir le remettre? Il tombe, le truc, c'est ça? Ah oui, OK, quand t'appuies dessus... Et au moins, il pense à se laver les mains. Seul celui qui se lave les mains après avoir pissé ont le droit de liker cette vidéo. Je sais pas si je like, des fois j'oublie, hein, en étant sincère avec vous. M'en fous, je dis la vérité. On a un lavabo, mec. C'est un volant de vaisseau spatial, ok? On est d'accord. Sauf que quand il se lave les mains, regardez. Non, ok, alors ça, c'est le lavabo avec l'eau. Et ça, c'est directement des sèche-mains intégrés au lavabo. Ce qui me choque encore plus, c'est que ça a l'air d'être un endroit où ils ont mis beaucoup d'argent. Parce que le mur, il est stylé, les lumières aussi, le socle et tout. Enfin, chez moi, mes lavabos, ils ressemblent pas à ça. Faut vite qu'ils changent. Les personnes à mobilité réduite vont se venger dans celui-là. Presse pour ouvrir la porte. Ok. C'est trop sympa. Attends, c'est pas possible. Peut-être qu'il y a un ascenseur à droite et à gauche. Peut-être, peut-être pas. Il y avait écrit balcon sur l'annonce. Oh là là, attends, mais c'est la plage? Oh, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh. Ben ouais, il y avait écrit balcon sur mon annonce et je prends mon appart et il n'y a pas le balcon. Comment ils ont construit tout ça? Sur un sol en sable. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Attendez, j'habite à Dubaï. Avant, Dubaï, c'était que du sable. Dans un désert, on immeuble. Je suis sur un sol en sable. Oh putain de merde. Oh mon Dieu. Cliquez ici, ils ont copié-collé un document sur internet, sur du papier. Et le mec, il a oublié d'enlever. Cliquez ici pour les comparer. Ça fait mal. Il s'est cru sur Fortnite. Non, c'est vrai? Oh mon Dieu, oh c'est dégueulasse. Oh, waouh. Ah, c'est chaud là. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il arrache son mur? T'es un malade? Ta mère, c'est bon. Non! Ok, il était en train de faire la façade du mur. Le mec, il a mis les plaques et tout. Il a mis la peinture. Et son chat, il s'était caché dedans. Du coup, il a dû tout recasser. Oh mon Dieu. Ah ouais. Ah, ça fait peur, hein. T'imagines? Tu fermes et ensuite, t'es en mode, putain, les gars, ça fait 3 jours, j'ai plus vu mon chat. Ça fait froid dans le dos, vraiment. Une toilette. Ok. Ah, oh. Ouais, c'est pour attendre au cas où si. Tu sais, c'est la queue. Hé, hey, t'as fini de chier? Là, ça pue, hein, franchement. C'est à mon tour, ok, t'arrives. Oh non. Oh non. Oh non. You live here forever now, Mr. Bug. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Second coat for the forever bug tenant. Oh, il est en train de mettre la peinture sur un instant. Il a mis de la peinture sur du sang dans un frigidaire. Est-ce que ça serait une technique de nettoyage pour cacher la saleté? J'aurais mis ce clip dans Essayer d'être pas en colère challenge. D'ailleurs, je te conseille d'aller la voir tout de suite si tu l'as pas regardé. Bam! Elle est juste ici, frérot. Masterclass, hein. Ne te mets pas en colère. J'espère que t'as kiffé. On se retrouve à très vite pour une prochaine aventure. Abonne-toi à la chaîne. Et ciao, bye. Un cyber!